Yo, alors aujourd'hui on se retrouve pour un restaurant qui se trouve près de la bourse à Bruxelles. Ça s'appelle Wagamama. Et du coup c'est pas complètement vegan, mais ils proposent des plats vegan. Et ben je vais en choisir un, je vais voir ce que je prends. Alors excusez pour le bruit qu'il y a, parce qu'il y a des travaux juste à côté, ça me casse la tête. Donc vas-y, à tout. Et du coup, bah, je vais partir sur le curry pour voir un peu bien le Japon, on va voir ce que ça donne. Et sûrement une entrée aussi, ouais. Bon allez, je commande, et puis je déguste ça pour vous. Alors voici ce que je vais prendre. Le Vegatsu. Et oui, c'est vegan. Donc quand c'est marqué V et G, c'est vegan. Quand c'est marqué juste V, c'est végétarien. Et quand il n'y a rien, ben c'est de la viande. Ah ouais, je l'ai pas dit, mais ça se trouve au boulevard en SPAC, à Bruxelles. Ok, limonade maison. On goûte ça, hein. Délicieux. Je sens bien la limonade dedans, donc le citron et tout. C'est pas trop sucré, tu vois. Et la petite menthe, là, délicieux. Et voilà les gyoza. Vas-y, on goûte ça. C'est très très délicieux. Bon alors c'est super bon et entre temps j'ai reçu le curry. Et ça vous voyez c'est le ramen vegan aussi. Je vais le goûter après. Bon alors de ce que j'ai compris c'est du seitan grillé. Enfin plutôt frit. Avec une sauce au curry. On va goûter ça. Putain c'est délicieux les gars. C'est trop. Je mets directement un 10 sur 10. 10 sur 10 direct. C'est trop bon, ça me rappelle blindé le Japon. C'est vraiment trop bon. C'est bien croquant là, le seitan et tout. En fait le seitan est bien juicy au milieu et bien croquant autour. Et la sauce curry, oh là là. Eh ben, c'est que du 10 sur 10 pour l'instant. Et voilà, gage de qualité, l'assiette est finie. Et sinon le riz, bah, il est très bien cuit. Non mais franchement il est très bon. C'est un riz collant, comme on dirait. Et c'est super bon. Ça pique un peu par contre le curry. Et donc j'ai pris le pas piquant. Donc j'ose même pas imaginer le piquant. Enfin, moi c'est vrai parce que j'adore le piquant mais. Alors il faut le savoir, mais la différence entre un curry japonais et un curry indien ou thaïlandais ou n'importe quel autre curry, c'est que le curry japonais il est un peu sucré comme ça. Et c'est ça qui rend son goût si bon. Et il est hyper onctueux. Ça fait une petite crème délicieuse quoi. Et ouais, il y a de la pomme dedans, je pense. Du genre. Bon, je vais goûter le tofu soyeux qui est dans le ramen. Putain, il est trop goûtu. On me dit de goûter les champignons. Et ben, c'est plein de goût tout ça. Franchement. Et je goûte une nouille, bien sûr. Trop bon. Ramen validé aussi. Donc, je disais, les gyoza, c'était très bon. Je leur mets 9 sur 10. Parce que la sauce était sucrée, c'est pas trop mon truc. Curry, je lui mets 10 sur 10 parce que c'est. Putain, ça a goûté de dingue. Franchement, les croustillons et tout. Et ben, les ramen, c'est aussi très très bon, aussi 10 sur 10. Délicieux quoi. Ah oui, et niveau consistance, franchement, y a rien à dire. Pour mon gabarit, on a franchement eu plus qu'assez. Et c'est un truc que j'ai pas dit. Le ramen par exemple, il a un peu, on pourrait croire qu'il est spicy mais pas trop en fait. Parce qu'il y a des gros morceaux de piment dedans, ouais, des piments, mais qui piquent pas en fait. Et voilà, donc j'en ai eu pour 44,70€ pour tout. Il y avait deux plats, deux boissons et une entrée. Ça fait un peu cher quand même. Mais bon, c'est le prix d'un resto, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Allez, c'est tout, moi je vous laisse. Je traverse sans me faire écraser. Et bye, tchuss.